La finale de la Coupe du Qatar se disputait hier soir au stade Bin Khalifa de Doha. Une affaire africaine entre le Al-Sadd du meilleur buteur du championnat algérien Baghdad Bounedja et le Al-Dwahil du Kenyan Michael Olunga. C'est le champion d'Afrique qui s'est particulièrement distingué, ouvrant le score en première période d'un subtil retourné. Al-Sadd aurait pu doubler la mise grâce à un autre Algérien, Boualem Kouhi, mais la reprise du naturalisé Qatari s'écrase sur le poteau. Michael Olunga, arrivé du Japon il y a quelques semaines, va avoir l'occasion de relancer Dwahil et même deux opportunités d'égaliser. Mais c'est bien l'inévitable Bounedja qui offrira définitivement la victoire à son équipe. En contre, le Fennec inscrit son 21e but, toute compétition confondue, pour Al-Sadd cette année. La formation dirigée par l'ancienne gloire espagnole Xavi remporte son premier trophée de la saison. Et sûrement pas le dernier, puisqu'Al-Sadd compte 13 points d'avance à 5 journées de la fin de la Qatar Stars League.